De la cuisine africaine, mais surtout camerounaise, représentative des 10 régions du pays, est mise en vitrine au village de la Canne, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Cet espace accueille tous les soirs de nombreux visiteurs et touristes qui affluent afin de visionner les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 sur écran géant. Pour aiguiser les papilles gustatives des mets traditionnels du terroir, on peut y trouver le bouillon de vipère, le domba de poisson d'eau douce, la sauce d'arachide et des légumes, pour ne citer que cela. Le choix de la cuisine traditionnelle, c'est de présenter tous les mets du terroir camerounais pendant toute la période que va durer la CAN pour que nos frères qui viennent de pays étrangers et qui sont chez nous puissent repartir avec le souvenir entier du Cameroun. Et on espère toujours qu'ils puissent revenir. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et les plats que nous vendons plus sont les plats tels que la vipère, parce que les hommes aiment vraiment la vipère. Donc en une journée, nous pouvons faire 2 vipères, et les grosses vipères, pas les petites vipères. Nous faisons régulièrement les viandes de brousse, parce que lorsque ça finit, nous refaisons. Pour rehausser la saveur de ces mets, il faut mélanger des épices particulières, mais surtout les écraser sur des pierres traditionnelles. C'est du moins ce que nous révèle Emilienne Obougou, spécialiste des mets traditionnels. Quand on parle de mets traditionnels, il ressort l'originalité. Un mets traditionnel qui se fait de façon artisanale a du bon goût et est hygiénique. Drainer les foules à ces stands culinaires, exercice pas facile, mais il faut user des stratégies, comme l'indique Zahra Gongouré, qui veut faire des chiffres et promouvoir l'image du Cameroun durant la compétition. Susciter les visiteurs à apprécier la cuisine camerounaise dans toute son entièreté, véritable leitmotiv des restauratrices du village de la Canne.